Radio Sport, Radio Sport. Étape 3, les enfants. Et jamais 2 sans 3. Oui, pourquoi? C'est pas une voiture, Jérôme. Oh. Reste avec nous, Jérôme. Ah, il a du mal ce matin, Jérôme. Ça, c'est le troisième jour, c'est le plus dur. Non, j'accélère pas beaucoup. PPO, on le rappelle, c'est le point de passage obligé pour toute la caravane du Tour, pour s'installer à Plaisance, parce qu'aujourd'hui, on a du grand, grand plat, la plus longue étape, 230 km. Il en faut bien une. Ouais, vers Torino, c'est une grande ville du cyclisme, évidemment, ville du foot. Qu'est-ce qu'a joué un Français, non? T'en souviens? Où ça? À Turin, Juventus. Il y en a eu plusieurs. Ouais, mais le vrai, le grand. Il y en a eu 3 Français connus, champion du monde 98. Mais ça y est, Deschamps, Zidane, tu vas me dire. Mais non, Zizou, Deschamps. Non, mais c'est Michele. Thuram. Mais c'est Michele, le plus grand, Michele Platini. Ah si, Michele Platini. C'est né le 21 juin 1955. C'est pas né le même jour? Non. Plaisance, il y a du plaisir. Bah, tu plaisantes en disant ça. Oh, c'est beau ça. Piacenza, Torino. Et entre les deux. Alessandria. Ah, on va se régaler. Hein. On va pas chanter toute la journée. Ce qui est drôle, on va pas arriver à vous le montrer, mais on est derrière le bus d'Arkea. Du vainqueur d'hier. Voilà. 2 victoires françaises. Bardet, premier jour. Hier, ce petit Vauclin qui nous a fait grand plaisir, donc qui s'entraîne sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, ça va être plus compliqué pour une échappée, on est bien d'accord, mais je sauf une échappée au long cours. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Mais bon, c'est peu probable. Je pense qu'elle sera reprise quand même avant la fin. Bon, je pense que Jérôme ne va pas prendre de risque, ni toi d'ailleurs. Vous allez jouer un gros sprint dans les gars? Oui. Qu'est-ce que vous jouez? Un sprint ou pas? Moi, je joue un sprint, bah, évidemment. Bon. Et tu mets Esclasson ou tu mets qui? Je mets Jacques Esclasson. Gilbert Ducolassat. Non, je plaisante. Je mets le jeune là dont j'ai oublié le nom de l'équipe Intermarché. Parce qu'il avait gagné 3 étapes sur le Giro il y a 2 ans. Là. Ah, il veut jouer à celui qui s'est blessé à l'œil? Oui. Ah, il a gagné 3 étapes au Giro il y a 2 ans. Et tu sais, il a voulu déboucher, c'est pas du champagne, du Prosecco, il a pris pas. C'est dans l'œil. Voilà. Un peu comme toi hier soir avec de l'eau. Plate. C'est pas pour fêter la victoire des Français. Donc toi tu joues le petit Garmet, ok. Toi tu vas jouer Disaster, y a sport The Winner. De Disaster avant, mais non, il y a sport de Master. Il y a sport Philipsen. Donc voilà. Tu joues pas Marc Cavendish toi? Pas encore. Je pense Arnaud Démarre. Arnaud Démarre, non. En revanche, Cavendish, je le garde pour un petit peu plus loin. Je pense que le 35e, il va le viser, mais là il n'était pas en pleine forme. Donc je vous le dis, je l'annonce officiellement, mesdames, messieurs, Thomas va gagner aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai pas voté. Non. Parce que moi je joue une grosse cote. Oui. Ou tu rejoins un Français, tu vois, jamais 203. Arnaud Démarre. Ah bah oui. Ouais, un coca. Démarre, il aime bien l'Italie. En Italie. T'en souviens, il y avait le cyclamen, le maillot, le meilleur sprinter, le maillot à point. Moi, je joue un petit Arnaud Démarre, qui ne sera pas du tout à l'arrivée. Mais je lui souhaite. Je pense que je vais dire. En fait, à chaque fois, tu te dis, bah, est-ce que ça s'est déjà vu, 3 victoires françaises d'affilée? Attends, j'appelle Jean-Paul Olivier. L'église est toujours au milieu du village. 3 victoires. Mais, je pense que les années Anquetil, peut-être. Mais, ah oui, tu veux dire d'entrée, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, oui. Ouais. Ça, c'est... Parce que 61, c'était Anquetil la première fois, je m'en souviens, on en a reparlé. Il y a eu 68 avec Grosse Côte. Mais c'est possible. Franchement, on demandera à Justin, on demandera à Fabrice, à toute l'équipe de Radio Sport. On leur lance un petit défi. Allez. On rappelle donc, Guirmet pour toi. Thomas, toi tu as joué Jasper, c'est pas difficile. Ouais. Et donc moi je ferai la grosse cote, 3e victoire française, Arnaud démarre la course tout l'après-midi, 13h le grand direct, c'est Fabrice qui prend la main. Et nous à la fin on est là, on sera partout dans l'air d'arrivée pour vous commenter la plus longue étape du tour. Piacenza, Turin, en passant par Alexandria. Toi t'es dans Alexandra, elle est pas. Alexandria. Attends, pourquoi j'ai son 06. Allez, bonne journée. Tu l'appelles quand tu veux. Plus que jamais. On est bien sur Radio Sport. Radio Sport, Radio Sport.